maintenant, je vais vous expliquer comment on fait un retors au filage. Donc, on a filé deux bobines de laine, hop, 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 qui font toutes les deux, hop, qui font toutes les deux un seul brin. Donc, en fait, on a un brin qu'on a tiré et tordu sur lui-même, de chaque côté, hop, sur les deux bobines. Et du coup, l'objectif du retors, ça va être d'épaissir le fil et de le solidifier. Et donc pour ça, on va repasser les deux fils qu'on a là dans le rouet et on va les retordre, c'est-à-dire qu'on va les enrouler l'un sur l'autre dans le sens inverse du sens dans lequel on les a filés. Et donc du coup, ils vont naturellement s'enrouler l'un avec l'autre pour former un fil plus épais et plus solide. Ça, c'est le retors au filage. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de retordre son fil? Non. Il y a des marques de fil à tricoter qui ne retordent pas leur fil, qui les laissent en un brin, single ply. Donc ça va donner un fil qui est plus fragile puisqu'il n'est pas retordu, mais aussi plus doux. Il y a plein de tricoteurs et de tricoteuses qui aiment beaucoup tricoter les fils à un brin en single ply. Voilà. Mais du coup, pour les chaussettes, il vaut mieux retordre le fil puisque c'est surtout la solidité qui va nous intéresser. Il faut que les chaussettes elles tiennent et qu'elles ne trouent pas tout de suite. Donc je vais faire un retors au rouet. Je vous montre ça. Petit aparté sur les propriétés de la laine. La laine a la capacité naturelle, les fibres de laine ont la capacité naturelle de s'accrocher les unes aux autres. Donc vous voyez, là j'ai cassé un brin de ma pelote et du coup je vais tout simplement vous montrer comment on raccroche deux brins qui se sont décrochés. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais séparer les fibres de chaque côté aux deux bouts que j'espère remettre ensemble. Hop. Voilà. Je vais les mouiller. C'est la méthode artisanale. Faut pas avoir peur de manger du fil. Je les recolle l'un avec l'autre en mélangeant les brins de chaque côté. Et avec ma main, je vais les frotter. Donc ça va donner de la chaleur et du mouvement. Donc je frotte comme ça. Ni vu ni connu. Le fil est réparé. Voilà, c'était la propriété de la laine. Les fibres de laine s'accrochent toutes seules les unes avec les autres. Donc, pour le retors, donc j'ai mes deux brins, mes deux pelotes et mon rouet. Du coup, c'est parti. Le principe est le même que d'habitude. Donc, j'ai passé mes deux brins dans la ficelle qui va aller s'enrouler sur la bobine. Seulement, d'habitude, je tourne la roue de gauche à droite. Et là, du coup, je vais la tourner de droite à gauche. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai une pelote de chaque côté du rouet. J'ai mes fils qui sont au plancher et donc du coup je change le sens. Oula! Ah, c'est ma courroie qui s'est défaite, c'est rien du tout. Voilà. Donc je change juste le sens de rotation que j'ai d'habitude. Donc d'habitude, moi naturellement, je tourne de la roue de
gauche à droite. Et du coup, bah, pour le rotor, il faut faire l'inverse. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est défait. C'est pas très grave. Hop là. On récupère. C'est les joies du rouet avec Lucille. Il y a toujours un truc. Alors. Zou. Je vais recommencer mon départ. Zoup là. Du coup, je vais peut-être les faire s'accrocher un petit peu. Hop. Pour que ça commence mieux. Hop là. Alors, je remets mon fil. Et on est parti. Voilà. Donc, ce qui est important avec le rotor, ça va être de faire en sorte que ça ne s'emmêle pas, parce que j'ai déjà eu des grosses catastrophes parce que ça s'emmêlait. Hop là. Donc on va essayer d'éviter ça. Alors là, vous voyez, il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, qui ne me plaît pas. Du coup, je retire dessus. Hop, et puis je vais aller le chercher comme ça, voilà. Pour que le rotor se fasse quand même pas trop mal. Et donc du coup, comme vous le voyez, la bobine est très vite pleine avec le rotor. Donc à un moment, il faut s'arrêter, mettre ce qu'il y a sur la bobine en écheveau et puis recommencer. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et du coup, c'est reparti pour un tour. Hop, je remets mes petites courroies, je remets mon épinglier, hop, là, zoup, je ressors ma petite ficelle de départ que je repasse dans le trou, hop là, du rouet, je récupère mes deux fils, le premier et le deuxième, je les mets ensemble, je les passe dans ma ficelle, hop, je les attache un peu entre eux, voilà. Et puis c'est reparti. Ah, comme tout à l'heure, ma courroie est mal mise sur la roue. Hop là, voilà. C'est reparti.
Et donc, voici trois échevaux de... Non, trois échevaux, qu'est-ce que je dis? Trois pelotes de laine retordue que je vais transformer tout de suite en échevaux. Et voilà, grâce à la super propriété de la laine qui est capable, dont les fibres sont capables de s'accrocher les unes aux autres, j'ai accroché mes trois bobines les unes avec les autres, mes trois pelotes les unes avec les autres, et j'ai pu faire ce superbe écheveau retordu de laine de Tonnerre Marteau. Tadam! Maintenant, on va pouvoir parler chaussettes. Donc, du coup, je vous retrouve pour la dernière étape du défi des chaussettes de Mélissa, qui était le tricot des chaussettes. Bah, je dois d'abord vous dire que j'ai pas réussi mon défi. J'ai fini les chaussettes le 21 mars, au lieu de les finir le 20 mars comme j'avais prévu de le faire. J'ai pas trouvé le temps de finir le peu qui me restait avant le 21. Voilà. J'ai toujours les chaussettes. Je les ai pas données à Mélissa encore, puisque je voulais vous les montrer en vidéo. Donc, l'enjeu, c'était de trouver un patron de chaussettes qui aille avec l'épaisseur de ma laine, qui était une épaisseur bulky, à peu près 100 mètres pour 100 grammes. Du coup, j'ai cherché quelques patrons, j'ai testé des échantillons, et donc, du coup, j'ai fini par trouver le patron que je vais vous afficher là, qui s'appelle le Dreamwalker Sleep Socks de Calura Hudson. Voilà, il est là. Un patron relativement simple. La seule chose qui était un peu nouvelle pour moi, c'était la façon dont les rangs raccourcis pour former le talon étaient construits, puisque on crée une maille en piquant dans la maille d'en dessous. Et puis, du coup, après, pour la partie où les rangs. Où on récupère les rangs, et ben on avait du coup, on créait une troisième maille. Donc c'était une façon de faire que j'avais jamais faite. C'était un petit peu technique pour moi, mais maintenant c'est bon. Voilà, ben, qu'est-ce que ça donne? Tadam! Ça donne ça. Donc voilà les chaussettes pour Mélissa en laine de Tonnerre Marteau. Je les ai commencés. Alors, c'est un patron qui tricote sur l'endroit et puis après on les retourne puisqu'elles sont censées être portées comme ça avec l'envers apparent. Donc, on commence par la pointe, on fait des augmentations et puis après on sépare le devant du dessous, enfin le dessus du dessous de la chaussette et puis. On fait le talon dont je vous ai parlé avec ses rangs raccourcis un peu étranges. Voilà, du coup ils sont très apparents, mais je crois que c'est fait exprès. Ça donne ça aussi sur l'autre. Hop là. Et puis après on continue la cheville en côte 2 sur 2. Et puis on fait un peu des petites côtes en haut, en côte 1 sur 1. Donc bah vous voyez, hein, c'est de la tôle, on voit bien qu'il y a encore pas mal de jarre, même s'il y en a plein qui est parti au lavage. Et il va falloir encore les porter un petit peu pour que le jarre continue à partir. Alors je suis sûre qu'il va partir, puisque avec l'association des Fristons Moutons, on a fait filer à la petite filature bretonne de la laine de Tonnerre Marteau pour voir ce que ça donnait. Et dans le fil qu'ils nous ont ramené. Il n'y a pas du tout de jarre. Il n'y a plus de jarre. En tout cas, plus de jarre apparent qui dépasse comme ça. Donc voilà, on est sûr que ça part. Donc voilà les petites chaussettes pour Mélissa. Bah, je vais envoyer un message à son mari Jean-Marie pour savoir quand est-ce que je peux lui déposer. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin du défi, mais enfin les chaussettes sont faites. Il était temps, ça traînait depuis le mois de novembre, donc je suis vraiment contente de les avoir faites. Du coup, j'ai repris exactement le même modèle pour me faire des chaussettes de bivouac.
pour aller dormir dans la neige avec des élèves dans quelques jours. Et du coup, avec les laines que j'avais utilisées pour me faire le pull, non, le gilet. Le gilet. Félix. Le Félix Cardigan. Donc, du coup, de la Texel que j'ai acheté aux Pays-Bas et de la mohair de France. D'une ferme dont j'oublie toujours le nom, mais que je vous mettrai en description. Et du coup, il m'a manqué de la couleur de mohair orage pour finir la deuxième. Et donc, on voit qu'elle n'a pas tout à fait la même couleur. Mais bon, c'est des chaussettes de bivouac, pas pour marcher, mais pour dormir dans le duvet sous la tente et pas avoir froid aux pieds. Donc, en vrai, c'est pas très grave le changement de couleur. Voilà. Ça se voit pas beaucoup, beaucoup. Ça se voit un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà, j'ai réutilisé le patron directement après. Bah, du coup, je vais m'arrêter là pour le podcast du défi des chaussettes de Mélissa. Et puis, je reviendrai vers vous très rapidement pour un podcast encore un rang où je vous ferai le détail de tout ce que j'ai tricoté. Avant les chaussettes de Mélissa et après les chaussettes de Mélissa. Parce que j'ai quand même fini quelques tricots. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce défi. Je vous remercie pour tous les j'aime et les commentaires que vous pourriez laisser sur cette vidéo. Merci de me suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne continuation.